Aujourd'hui, on fait le lien, allez, entre la France et la Bessarabie. Oui, la Bessarabie, province de Yiddishland disparue, terre de l'actuelle Moldavie, grâce à Idis, un roman graphique marquant qui est signé Richard Malka au scénario et Fred Bernard au dessin et aux couleurs, paru il y a quelques mois aux éditions Rue de Sèvres. Richard Malka, il est avocat, écrivain, on l'a vu la semaine dernière dans un premier volet avec vous, et il est aussi scénariste de nombreuses bandes dessinées. Et Fred Bernard, il est auteur de bandes dessinées et illustrateur, et c'est la première fois qu'ils travaillaient ensemble et ils ont créé ce petit bijou à l'initiative de Robert Badinter, car c'est en effet l'adaptation du livre de Robert Badinter paru fin 2018, Idis, chez Fayard, qui retrace le destin de sa grand-mère maternelle et puis aussi de toute sa famille, une famille qui a fui l'Empire russe, sa Bessarabie natale donc, et qui s'exile à Paris au début des années 1910 pour y vivre après la Première Guerre mondiale de très belles années, avant d'être rattrapée évidemment par la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Et selon Badinter, c'est à la fois le récit d'une destinée singulière et un témoignage d'amour de son petit-fils. Et on comprend en lisant les mots qui ouvrent l'album que mission a été plus qu'accomplie, puisqu'il écrit que Richard Malka et Fred Bernard ont rendu vie à ma grand-mère chérie et à un monde disparu. Richard Malka explique ce qui l'a le plus enthousiasmé dans cette aventure collective. On l'écoute. Ça a été un magnifique projet. D'abord parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas et qui est un monde disparu, celui de la Bessarabie, du Yiddishland, d'une langue, d'un peuple qui a disparu. Ensuite, parce que évidemment, travailler avec Robert Badinter, c'est quelque chose qui est très émouvant pour moi. Robert, je le connais depuis vraiment longtemps. Il m'a demandé de faire cette adaptation. J'ai été tétanisé par la pression que ça a représenté. Et ça a été d'une fluidité totale avec lui et puis aussi avec Fred Bernard, le dessinateur qui est génial et que j'ai découvert à l'occasion de cette bande dessinée. Et voilà, j'aime vraiment cette BD. C'est ma dernière, je crois que c'est la 26e et c'est probablement une de mes préférées. Qu'est-ce qui frappe Axel Simon le plus dans cette bande dessinée? Eh bien, Richard Malka, il m'a résumé en quelques mots ce qui est pour lui le plus marquant, à la fois dans le livre de Robert Badinter et puis dans l'exercice de transposition en bande dessinée. Et il dit en fait que c'est l'alliance de plusieurs choses. L'histoire entre un enfant et sa grand-mère, qui est d'une tendresse infinie. On voit d'ailleurs les images, les illustrations qui sont très tendres. C'est aussi l'amour incroyable et l'admiration pour la France de ces Juifs exilés de l'Empire russe et qui sera un amour déçu par la suite. Et puis, ce qui frappe aussi, c'est la façon dont l'histoire intime d'une famille rejoint la grande histoire. Alors on va regarder ensemble, Philomé, si vous le voulez bien, trois planches qui illustrent bien la bande dessinée dans son ensemble. Alors cette planche-là, elle illustre en fait les pogroms qui ont frappé en 1903 et 1905 la région de naissance d'Idis et de toute la famille, la violence de l'antisémitisme y est représentée. Et Richard Malka, il a ajouté quelques vers d'un poème intitulé « La ville du massacre » de Haïm Bialik. C'est l'un des plus célèbres poètes israéliens. Et à cette époque, en fait, il avait été envoyé dans la ville de Kishnev pour recueillir les témoignages des survivants. Et ce poème est un appel à la résistance, un refus de la résignation des victimes. Cette planche-là, elle montre la tendresse, la joie et la douceur qui ressortent de cette bande dessinée. On voit la grand-mère, l'enfant qui joue, leur amour, leur relation de confiance et puis leur grande complicité. Et puis pour finir, une planche qui est assez émouvante aussi, on retrouve l'histoire intime qui rejoint la grande histoire dont on parlait tout à l'heure, notamment la persécution des Juifs en France à partir de 1940, qui est expliquée par des mots très simples par le père de Robert Badinter, Simon Badinter. On sent quand même encore tout l'espoir. Malgré en fait le début des persécutions des Juifs, une partie de sa famille en fait va quitter Paris et sera sauvée. Son père et ses oncles seront arrêtés et déportés vers les camps de la mort. Axel, quand on écrit, on met toujours un peu de soi, forcément. Et de quelle façon c'est fait dans cette bande dessinée? D'abord, en fait, dans la façon de mettre en mots et en images les paradoxes, le contraste qui sont chers aux deux auteurs de cette bande dessinée, notamment en fait le contraste entre la tragédie et la tendresse, malgré tout. C'est tendre, mais tout en retenue. C'est coloré, mais c'est jamais outrancier. C'est tragique, mais c'est quand même plein de douceur. Donc c'est intime et toujours universel. Et puis ensuite, il y a pour Richard Malka, dans ce récit, un écho évident avec ses propres combats en tant qu'avocat. On écoute Richard Malka.
Ce qui les a vraiment motivés à venir en France plutôt que dans n'importe quel pays au monde, parce que les Juifs de cette époque-là, de Bessarabie, partaient n'importe où dans le monde, en Argentine, aux États-Unis, en Allemagne. Mais ceux qui choisissaient la France, c'était pour les principes de la République. L'égalité, la déclaration des droits de l'homme, la laïcité et ce formidable espoir d'être égaux. C'est-à-dire l'universalisme. C'est le rêve de l'universalisme, que tout le monde partage la même condition humaine. C'est ça qui les a fait venir. Et donc c'était les principes de la Révolution, en fait, vraiment de la République qui les a fait venir. Voilà, donc ce très beau livre, Idis, bande dessinée, et puis le livre à lire, le récit de Robert Badinter, donc La profondeur et puis La beauté, qu'on peut lire ensemble ou séparément. Merci beaucoup, Axel Simon. C'était le chapitre culture dans Paris Direct. Vous revenez évidemment quand vous voulez.